toujours un peu dur dur. Hello tout le monde. Donc il est 8h30. En fait j'avais pas trop prévu de vlogger pour être honnête. Parce que hier soir dans ma petite tête, ouais, je cogite tout le temps, c'est catastrophique. Et je me suis dit bah ce serait peut-être cool si tu pouvais faire une vidéo sous ce format, genre en mode routine, qui n'est pas vraiment une routine. Je sais pas trop comment je vais la tourner, je vais voir, ça va être un peu au feeling. Je m'embarque un petit peu dans mon quotidien, mais sous forme de routine en fait, je sais que vous les aimez bien, mais parfois les routines... Oh là là, c'est une catastrophe. Bella, t'es pas transparente, tu le sais. Ouais, parfois les routines, ça peut être un petit peu redondant, forcément. D'où l'intérêt d'une routine. Mais qu'est-ce que je vais faire, du toit? Donc là, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais me lever. C'est un bon début. Voilà. Oh, oh my god. Je crois pas que j'ai dormi avec ça. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer. Oh mon dieu, elle est en train de grimper. C'est là où j'avais la tête. J'aurais préféré ne pas la voir. En vrai, j'ai pas peur des araignées. Enfin, quand je dis que j'ai pas peur, si vous mettez une migale, je vais pas être contente, quoi. Je vais gueuler, c'est sûr. J'aime pas ça. Mais ça me terrifie pas non plus. Par contre, je veux pas dormir avec. Enfin, les petites, je m'en fous. Mais là, elle est comme ça. Et non, j'exagère pas, je vous jure, avec les pattes détendues, elle est... Elle est comme ça, regardez. Oh non, bref. Vous voulez une journée dans ma vie? C'est parti. Ah oui, faut mettre les croquettes. Oui. Je vais pas leur expliquer pourquoi t'as pas de croquettes la nuit. Je les enlève le soir et je les cache là. Parce que si je les mets là, elle y accède. Dessous, clac, elle peut pas les prendre. Le pourquoi du comment? C'est simple, sinon elle se gave de croquettes toute la nuit. Donc je vais les enlever. Oui, oui. C'est le petit déjeuner. En fait, avant, je me pressais mes citrons tous les matins, j'ai la machine. Et depuis une dizaine de jours, en fait, je me suis acheté ce type de contenant, j'ai pris sur Amazon. Et en fait, je les presse tous en avance. Je verse le jus directement dedans et je le conserve au frigo. Comme ça, ça m'évite d'avoir à le presser tous les matins et ça me fait vachement... Ça me fait gagner du temps, en fait. C'est trop pratique et ça peut se conserver, mais largement plusieurs jours au frigo. Et comme ça, c'est du citron frais. Et je suis dans une optique de gagner du temps. Donc, je bois ça dans un grand verre d'eau chaude, d'eau tiède, pardon. Et ça fait partie de ma routine de tous les jours depuis que j'ai consulté la naturopathe dans les conseils qu'elle m'avait dit d'appliquer en fait pour récupérer un petit peu ma peau. C'est de presser un demi-citron chaque matin dans de l'eau tiède avec mes compléments. Donc voilà. Donc je fais ça tous les matins. C'est pas super bon au départ. Enfin franchement je me suis toujours pas fait, je suis pas très très fan. Et oui, je vous ferai un point avec ma peau par rapport à la naturopathe et tout ce que j'ai pu faire et ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Je vous ferai rapidos un petit point, mais j'en vois enfin le bout du tunnel. En général, la première chose que je fais, c'est allumer mon enceinte. Juste ici. J'écoute de la musique et tout et je la mets en boucle et ça me réveille et j'adore. Pour des raisons évidentes de copyright, on va se passer de cette étape, mais j'adore cette enceinte. J'ai acheté sur Amazon encore une fois. Je l'avais achetée juste pour la salle de bain. J'adore écouter la musique ici et ça m'évitait de transporter la JBL à chaque fois. Je l'avais achetée sans grande conviction. Franchement, elle est encore mieux que la JBL et elle est moins chère. Voilà pour le bon plan du jour. Alors, vous allez voir que le matin, ça va. Super vite. Première étape, nettoyage. Oh putain. Oh, j'en ai trop marre. Après l'araignée, pour comparer, hein, je vous montre les autres, je vous montre celui-là. Ça y est, on a perdu un ongle. J'adore que les journées commencent comme ça. C'est pas grave, on reprend. Un petit tonique, j'utilise celui-ci de Sephora, il est pas mal du tout. À la vitamine C, ça hydrate, ça retire le calcaire, ça apporte un petit peu d'éclat. Sérum ensuite. D'ailleurs, je l'ai bientôt terminé et je l'aime trop. Évidemment, contour des yeux, toujours. La step, évidemment, hydratant avec
protection solaire obligatoire. D'ailleurs, celui-ci est trop bien si vous avez une peau grasse. Parce que non seulement il est hyper léger, mais matifiant aussi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je vais juste passer un petit coup de plaque. Parce que après je vais m'habiller, après je vais maquiller vite fait. Parce que j'ai une réunion en visio en fin de matinée à 11h. Je voudrais quand même être juste un tout petit peu plus potable. Comme vous voyez, je fais un petit peu à l'arrache. J'avais déjà le lissage, mais bon, on va dire que ça rafraîchit un tout petit peu. Bah sinon, il tient vraiment bien. C'est toujours le lisseur T3. Soit le meilleur lisseur de tous les temps. Next, j'aime bien mon pyjama, mais je vais pas vivre avec. Donc on va s'habiller. De tous les jours. Alors, vous méprenez pas, j'adore m'habiller, mais en fait aujourd'hui il fait un temps trop pourri, ça me donne pas envie tout simplement. Demain ils annoncent 30, vous vous rendez compte, ça va être trop cool. Je crois que ça va être très basique, je le sens arriver ça gros comme un camion. Avec un jean et ma chemise Zara que je mets tout le temps, ce sera très probablement ça. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait aujourd'hui, ça ira. Et voilà. On va juste rajouter un poil de make-up. Alors, bah maintenant c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc il est 9h30. Forcément, je perds un peu de temps parce que je filme et tout, mais sinon, d'habitude c'est plus fluide, mais le fait de filmer, je perds au taquet de temps. Mais ça va passer. Aujourd'hui, j'ai pas de vidéo à filmer, j'ai filmé toute la semaine. J'ai 2 semaines d'avance sur mes vidéos, donc ça c'est plutôt cool, je suis trop contente. Mais du coup, aujourd'hui, vous me verrez pas filmer de vidéo parce que c'est déjà fait. Du coup, bah, j'ai plus de la post-prod. C'est-à-dire éditer, monter, faire des miniatures photos, traiter pas mal de mails. Je me suis mis plein de post-it, c'est ce que je fais tout le temps, pour éviter d'avoir à oublier des trucs. J'ai quelques trucs en matière de facturation à faire aussi, mais je sais pas si j'arriverai à le faire aujourd'hui. Ah oui, si, j'ai... très important. J'ai un zoom à 11h avec l'équipe Sephora, je vous en parlerai après si vous voulez, mais en gros voilà, j'ai ça à 11h, ça va durer un petit moment je pense. Et c'est tout pour cette matinée, donc sans plus tarder, je vais commencer par les mails. Parce que les mails, j'essaie de le faire le matin. Je fais pas nécessairement tous les jours, par exemple les jours comme hier et avant-hier où j'ai beaucoup filmé, ça m'a pris beaucoup de temps, bah, j'ai pas eu le temps de traiter les mails. J'en ai fait hier soir à 21h quand j'étais au lit un petit peu, ou alors je m'embrouillant et je les envoie après, enfin voilà, j'essaie un petit peu de m'arranger. En gros, il n'y a pas d'organisation limite militaire tous les jours comme ça, c'est très aléatoire. Hugo, il m'envoie très régulièrement des reels qui lui font marrer et regardez celui du jour. Voilà. Comment on me souhaite une bonne journée. Petite pause, j'ai reçu une commande. Oui, c'est encore une commande bien jurée. Je sais, c'est une commande Savage X Fenty et j'adore. Enfin, je sais plus si je... Non, je vous en ai pas vraiment parlé. Quand j'avais trié mes soutifs et tout, je vous avais pas dit exactement les enseignes que j'aimais bien et tout. Je commande beaucoup là-dessus. Je trouve qu'elle fait des trucs, mais genre trop beaux. Et du coup, bah forcément, vu qu'il n'y a plus rien de mal, je me suis repris quelques trucs de la nouvelle collection, notamment. Je sais pas ce que ça va donner. Ça a l'air trop joli. Ça a l'air joli. J'ai peur que ce soit grand. En fait, j'ai tellement pas encore l'habitude de ma nouvelle taille. Pour celles qui demandent, je suis passée d'un bonnet A à un bonnet C. Et je suis tellement pas habituée qu'à chaque fois que je le vois, je me dis, mais non, ça va être beaucoup trop grand. Sauf que non, en général, c'est pas grand, mais... Mais on va voir, parce que là en fait ils ont des nouveautés assez régulièrement. Et en fait moi j'ai pris l'abonnement, ça fait quoi? Ça fait un an. Vous payez, c'est combien? Tous les mois je sais plus, attendez je vais voir. Ouais, c'est ça. J'allais dire 40, non c'est 49,95€. En gros on est débité chaque mois. Vous avez possibilité de passer le mois si vous voulez. Et du coup et de ne pas être débité si vous voulez rien acheter. Mais si vous conservez ce débit en fait ça se transforme en crédit.
que vous pouvez utiliser pour acheter ce que vous voulez sur le site tous les mois, sachant que du coup avec ces crédits ça vous fait bénéficier de prix qui sont moins 25% en général, au moins moins cher que si on n'était pas abonné. Ça vaut vraiment le coup, mais c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui commandent régulièrement, parce que franchement, si vous commandez une ou deux fois par an, ça vaut pas du tout le coup. Enfin, franchement, moi j'en suis assez contente, et après ça s'accumule les crédits et tout, donc voilà, regardez. Là, il y avait une nouvelle collection, c'est une collection broderie, et genre, il y avait cette bralette trop mignonne, limite c'est un top quoi, c'est trop joli. Pour le coup, c'était bien particulier, c'était dans une box spéciale où vous avez le bas, il y avait même des espèces de lanières que je ne vais absolument pas utiliser, je crois que ça va être autour du ventre et tout, bon bref, non, je ressemble à un rôti moi avec ça, c'est même pas la peine. J'avais plus de batterie, donc je sais plus ce que je disais, mais en gros, il y a l'ensemble, et j'ai pris également celui-ci, tout jeune. Oui, je vous dis, je suis à fond dans le jeune. Il est trop joli et c'est la même collection en fait. Broderie, dessous c'est transparent et vous avez toute la broderie dessus. J'ai pas pris le bas, j'aurais voulu, mais il n'y avait plus ma taille. C'est pas grave, je l'ai pris quand même. Je crois que j'ai été coupée et je disais que côté taille et tout, ils étaient hyper inclusifs. Parce que moi j'arrive à trouver ma taille autant haut qu'en bas, ce qui est rare. Il n'y a pas tout le temps de XS, donc là il y en a. Et ça taille bien et c'est de super qualité. C'est pas du tout sponsor comme vous voyez. Je les achète toutes seules et c'est très joli. J'ai 10 minutes avant que mon zoom commence, donc je vais les essayer vite fait. Mais bon, je vais peut-être pas vous montrer. Verdict, parfait. Alors, coup de cœur énorme pour le jaune. Il est trop, trop joli dessus. Bon, maintenant, les choses sérieuses reprennent. On va passer à côté. L'idée, c'est qu'on, je pense, qu'on rebalaye ensemble. Techniquement, Antoine, comment ça va? Et peut-être aussi si on a le temps, nous, d'un point de vue un peu storytelling, comment on va amorcer cette présentation de 30-45 minutes. Côté lumière, t'as tout ce qu'il faut? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai deux softbox, enfin j'en ai même trois. Bien, pour l'espace, ouais. Bien, super. Alors, côté fond, c'est bon de ton côté, enfin j'ai vu... Ouais, 270 Mbps. Peut-être qu'on pourrait se caler une sorte de petite répétition en début de semaine prochaine, si t'es dispo. De toute façon, il reste quoi, lundi ou mardi? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de soucis. On a quand même le temps de se faire peut-être 15 minutes de débrief après. Mm-hmm. Donc, si on peut se faire ça, c'est nickel. Profitez bien. À bientôt, merci. Ça, c'est good. En gros, le Zoom, c'était avec l'équipe Sephora, parce qu'on va faire un live avec Mounette mercredi sur le site de Sephora.fr. Il y a la Sephora TV, c'est tout nouveau. C'est une retransmission de live animé par différentes personnes. Par exemple, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, c'est Marion Camélon qui a fait un live. Et du coup, ils nous ont proposé à Mounette de faire une animation pour la fête des mères, présenter des idées cadeaux et tout. Et vu que c'est du live, donc qui dit live dit forcément direct, donc pas droit à l'erreur, il y a tout un tas de préparations à faire en amont, enfin c'est vraiment super super cadré, et c'est pas juste on branche et puis salut, pas du tout. On a déjà fait un premier zoom en début de semaine, là c'est le deuxième, et il y a une autre préparation lundi, une répétition mardi, et le lancement mercredi pour s'assurer que tout est ok, et que le setup fonctionne, que la connectique va bien, enfin il y a vraiment pas mal de taf, je l'avoue. Si ça sort avant, sachez qu'on sera en live mercredi 12 mai à partir de 17h. Si ça sort après, bah sachez que vous pouvez le regarder en replay. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu? J'étais avec... C'est faux. Ouais. Mardi, tu as des dispos? Ouais, non, mais c'est bon. La matinée. Parce que c'est un big truc. En gros, faut faire une répétition. En réel. Genre, ce qu'on va faire mercredi, on va faire la même chose mardi, mais avec la team Sephora. On a haricots verts d'un côté. Poisson de l'autre. Poisson de l'autre, picard. Petite grenaille à l'autre bout. Mais quel petit cordon bleu, n'est-ce pas? C'est reparti les amis, il est 13h15, maintenant je vais m'attaquer au montage et je vais faire un petit peu d'unboxing parce qu'il y a quelques colis qui sont arrivés aussi. J'ai fait une bonne partie de ce que je voulais faire et il me reste le montage. Donc voilà, cet après-midi ce sera edit. Alors j'ai aussi un post à faire que je vais préparer juste après. C'est dans le cadre d'une collaboration avec Careburst, donc je dois le poster. Moi je poste toujours en général
vers 17h30, 18h. Je vais le préparer en amont, je vais éditer et tout et tout. Et en plus, ils m'ont renvoyé, pourtant je l'avais, mais ils m'ont renvoyé leur nouveau shampoing sec. Je sais, dont je vais parler dans le post, il est trop bien. Du coup, ils m'ont renvoyé un deuxième backup. Il y a un tout petit, regardez comme il est pas trop mignon. Il y a que moi qui craque sur les petits formats comme ça, je trouve ça beaucoup trop cute. J'adore. En plus, franchement, il est trop bien. Si vous voulez tester un nouveau shampoing sec, n'hésitez pas. Il sent trop bon. C'est du Herburst. De toute façon, ça donne du volume, du peps, mais pas trop non plus parce que moi, j'ai au taquet de volume. Maintenant, on édite. Sephora. J'espère que les produits te plairont, mais qu'ils plairont surtout à ta mère. Oh, jambes. Je vous souhaite un très bon live. Romain. Oh, c'est les merci beaucoup. Voyons ce que ça va me plaire. C'est mon coup de cœur, celui-là. Celui-là aussi, wow. Sent super bon. C'est tellement beau. Non, mais toi, tu connais tous les parfums. Celui-là, il est trop beau. C'est... Mais regarde, c'est trop joli. Oh, elle est trop belle. Oh. C'est divers. Ouais, elle est bien, je l'ai gagnée. On va avoir de quoi présenter les deux animatrices. Il va falloir que je me prépare. Oui, Richard, ce matin, il m'a redemandé, il me fait, bon, alors Mounette, elle, comment elle est? Je t'inquiète, elle est un petit peu stressée, mais... Je vais pas l'inciter, quoi que je dis ça, et après... Tu dis ça, et après, on t'arrête plus, c'est moi qui suis obligée de te dire, bon, on va couper. Voyons, c'est ma commande Yes Style. C'est de la déco. Bon, vite fait, est-ce que j'avais commandé alors j'avais fait une réserve de patchs anti-imperfection, notamment les ceux-là dont je vous ai parlé plein de fois. Vraiment, ils sont excellents. C'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester. Donc j'en ai pris 5 paquets. J'ai repris des patchs pour les yeux parce qu'ils sont vachement bien. J'ai voulu tester ces patchs anti-taches d'hyperpigmentation, cicatrices d'acné et compagnie. Donc j'avais pris plusieurs encore une fois. C'était pas mal noté, donc j'avais envie de tester. Et dans la même optique, j'ai pris ceux-là également. Et toujours patch, mais pour les yeux cette fois-ci, vous savez, comme ceci. Et pareil, ils étaient super bien notés, donc je verrai bien. Donc en beauté, c'est tout ce que j'avais pris. Et après, c'est quelques trucs pour l'appart. Enfin voilà, il y a quelques petites bricoles. Vous savez, ça c'est un dessous de plat en silicone pour éviter de brûler les plans de travail. Il y en a deux en fait dedans. Vous voyez, il y en a un gris et un crème. J'ai pris des petits sets, j'en ai pris des grands et des moyens. Sans plastique, c'est mieux, donc ça, c'est les plus petits. J'adore la couleur et tout, ils sont trop mignons. Et j'ai pris des beaucoup plus grands également. J'adore ce type de set de table et franchement, il est de super qualité. Je suis trop contente. Je vais pas la déballer, mais c'est une nappe, vous savez, imitation un petit peu en lin, avec des petits pompons crème. J'ai pris cette couleur. Enfin, je pense que ça ira bien, probablement pour l'extérieur. Franchement, la qualité, elle a l'air trop bien. Je vous dis, je vais pas la déballer parce que ça sert à rien là. Je vais galérer pour la réemballer. Ensuite, j'avais pris cette espèce de petit plat pour, vous savez, les gâteaux d'apéro notamment. Bon, il faut l'enlever parce que ça, c'est du carton. Je vais le laisser encore une fois, mais vous pouvez le sortir. Avec le petit plateau dessous, je trouve ça assez pratique. Moi, j'ai pris par 4, mais il y en avait des plus petits et des plus grands également. Mais comme je savais pas trop ce que ça pouvait donner, franchement, ce sera parfait. J'ai pris plusieurs trucs de vaisselle comme ça, de cette gamme-là. J'ai pris des saladiers, des assiettes un petit peu plus creuses. Les modèles sont trop jolis, donc clairement, ce sera pas passé au micro-ondes parce que le liseur est doré, mais ce sera plutôt moi genre en service quoi. Dernier truc que j'ai pris, enfin j'en avais déjà acheté, sauf que j'en avais acheté 4 la première fois, donc j'ai voulu en prendre 2 de plus. C'est des verres à vin comme ça, et ils sont super beaux. Attendez, je vais vous montrer. Regardez comment ils sont trop mignons. Pareil, petit liseur est doré, et c'est une espèce de rose pâle. Voilà, donc comme je vous dis, ça complète ma collection parce que j'ai trouvé très joli, et je n'ai plus qu'à ranger. Voilà. Oui, Mimi. Petit update, ça y est, je suis sortie de mon terrier. J'en pouvais plus, franchement. Heureusement que j'ai les lunettes, parce que j'ai les yeux, mais genre tout fatigué. Enfin, ça se voit. Quand je reste tout le temps devant l'ordi comme ça, après, j'ai vraiment trop mal aux yeux. J'ai ce qu'il faut, j'ai les lunettes et tout, mais de repos. Mais bon, il n'empêche qu'il arrive un moment, ça fait du bien de sortir. Vous parlez d'une sortie, vous savez où c'est qu'on va avec Mounette? Se faire vacciner. Yay. Non, pour de vrai, je savais pas trop si j'allais le dire en vidéo ou pas. J'ai l'impression qu'en France, c'est pas que c'est pas très bien vu, mais j'ai l'impression qu'en France, comme pour beaucoup de choses, il y a plein de trucs qui sont tabous et des trucs qu'on dit pas et tout. Je crois que vous commencez un peu à me connaître, moi je m'en fous un petit peu. Et quitte à ce que ça me cause des problèmes après, je le dis. Donc ouais,
on a décidé de se faire vacciner. S'il vous plaît, pas de jugement, pas de drama, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, on se fait vacciner, c'est notre première injection. Et voilà, c'est pour ça que je sors. Ounette, elle est terrifiée, déjà, de base. J'étais en train de leur dire qu'on allait se faire vacciner. Tu leur dis au revoir? Non, mais moi ça va. Mais je leur ai dit que toi t'étais terrifiée. Adieu. En fait, elle a peur d'être malade, oui. D'avoir des effets secondaires. Parce que moi, j'aime pas être malade. Ah ben ça, mais personne. Alors, oui. Mounette, elle, c'est pire que tout. Qu'à la moindre baisse de tension, le moindre niveau de fatigue, d'ici demain, elle va être raide, mais comme un spaghetti, quoi. Ça, c'est sûr. Oh là 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 là. Oh, ma douce. C'est la seule qui m'a fait ce cirque, hein, Mounette. Il parle dans le corps. Il est en train de se propager, ça y est. Il est en train de me faire des de me tuer toutes mes cellules. C'est comme dans les films. Oh, j'ai chaud. J'ai la tête qui tourne. Tu vas avoir un pince. Non, pas cette fois-ci, la prochaine fois, ça se mérite un pince. Comme j'ai jamais eu de bon poil, ça sera le seul de ma vie. Si j'arrive jusqu'au 18, je vais garder celui-là. Le pince Covid. On est devant mon appart, il est derrière ce grand préfabriqué. Ounette, elle est partie en reconnaissance pour me prendre des photos. J'ai fait la détective. J'adore. Ah, c'est chouette. Ah, ça change un peu comme ça. Ils ont même terminé en haut, là, les trucs. Là. Ça, c'est une vidéo. Je t'ai t'as pris vu, là. Regarde, il y aura le soleil et tout. Ma mimine, elle va être si bien. Avec plein de petites plantes vertes. Ah ouais. Ah, j'adore, ça va être trop bien. Ça me tarde. Genre, franchement, il faudra que je vienne tous les jours parce qu'après, ça me travaille. Dernière nouvelle, je devais le visiter avant le confinement. Sauf que y a eu le confinement, j'ai pas pu le visiter, donc je vais pouvoir le visiter prochainement en principe. Et je pourrais y habiter qu'à la rentrée. Voilà, j'ai envie de pleurer et de saigner, mais c'est pas grave. Ils vont les laisser, t'auras ça alors. À la base, je devais l'avoir avant le Covid, je devais l'avoir pour le mois de mai. Fin mai, début juin. Et puis il y a eu le Covid et ils ont commencé le chantier au moment où il y a eu le premier confinement, donc ça a été arrêté 3-4 mois. Donc voilà, si tu calcules, c'est ça. Hein. Ils ont rattrapé leur retard, mais bon, il arrive en moment. Faut ce qu'il faut, puis il y a le mois d'août en plus. Ouais, ça fait joli. T'as vu hein. Oh, franchement, ça va être trop bien. Ah, ils sont bien aussi. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont être bien. Hein. Je savais pas du tout quoi me faire, du coup j'ai regardé un petit peu ce que j'avais au frigo et j'avais une pâte feuilletée, donc vous savez, je mets les ingrédients que j'ai dans le frigo quand c'est comme ça. J'ai pas mis grand chose, juste un petit peu de tomates, mozzarella, chorizo et quelques épices. Et puis voilà, avec une salade, ce sera parfait. Écoutez, je pense que ça va faire l'affaire. Hein. Et voilà ma team chouchou, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que vous aurez assez de contenu. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que c'est un format qui vous aura intéressé. C'était mon idée en me levant, comme ça je me suis dit, et si je faisais ça? Donc je sais pas, j'ai hâte d'avoir votre avis. Dans tous les cas, moi je vais me reposer ce week-end un petit peu. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.